À Limoges, quand on parle basketball, forcément, on pense au Limoges CSP, le fameux Cercle Saint-Pierre. Mais il y a des clubs beaucoup plus anciens. C'est le cas de la Saint-Louis de Gonzague, l'une des racines du basket régional. La Saint-Louis de Gonzague est née en avril 1912, 107 ans au compteur, pas une ride et beaucoup de jeunes. Julien, vous êtes coach des Poussins. Qu'est-ce qui peut caractériser la Saint-Louis de Gonzague pour vous ? La Saint-Louis de Gonzague, c'est un club où j'ai mis mon fils il y a 4 ans, parce que c'est un club qui est très familial, où l'ambiance est bonne. Contrairement à certains clubs, c'est un club où tous les enfants ont leur place. C'est un club âgé, mais qui est très jeune. Ce club, en fait, a créé une école de basket il y a simplement 7 ans. Donc aujourd'hui, on a 55 enfants en école de basket, donc de baby à poussin. Et en comptant les benjamins, on monte à une centaine d'enfants. Donc on est parti de 10 enfants il y a 7-8 ans pour arriver à une centaine aujourd'hui. J'aime bien shooter, j'aime bien faire des matchs. C'est ça que j'aime bien, moi. On m'a dit que tu étais un champion ? Oui. Oui ? Qu'est-ce qui est sympa dans le club ? Le basket. Tu vas être un très grand champion, alors ? Oui. Stéphane, vous êtes dans le club depuis 1999, vous avez pas mal de recul, vous êtes conseiller technique aussi. Expliquez-nous comment a évolué le club sur ces 20 dernières années. Alors moi, quand je suis arrivé en 1999 en tant que joueur, il y avait très peu de ressources au niveau des enfants. Il y a même une période où on n'avait pas du tout d'école de basket. Et là, ce sont les féminines qui ont pris un petit peu le dessus. Oui, pendant des années, les garçons ont évolué au plus haut niveau régional et jouer les premiers rôles pendant de très longues années. Et maintenant, c'est vraiment l'équipe féminine qui a repris le flambeau et qui évolue justement elle aussi au plus haut niveau régional et qui assume les premiers rôles du championnat encore cette année après avoir fait les finales l'an passé, finales régionales qu'elles ont perdues de très très peu. Gaël, au-delà de la Saint-Louis basket, la Saint-Louis de Gonzague, c'est pas que du basket. Expliquez-moi. Non, ce n'est pas que du basket. Il y a une section gymnastique très active et une section badminton. Alors, on a parlé, là, dans le reportage, du passé, du présent. C'est quoi l'avenir ? Alors, l'avenir, c'est surtout repose sur nos équipes seniors, puisque, à force, nos joueurs et joueuses vieillissent. Et donc, tout ça, il faut renouveler nos effectifs. Et donc, nous cherchons des jeunes. Donc, la formation des jeunes est primordiale. Voilà, on est en plein dedans. Voilà, et nous cherchons aussi, parce que c'est le nerf de la guerre dans les associations, les bénévoles. Donc, nous formons les jeunes coachs et les jeunes arbitres bénévoles de demain. Eh bien, écoutez, merci Gaëlle. De rien. Et longue vie à la Saint-Louis. Merci.